Ma Mission TV, le miroir du monde. Je demande aux intéressés de... aujourd'hui est suppléant comme celui qui la remplace. Tous deux, ils ont occupé le mandat de l'honorable Léon Limbalimba. Alors, on n'est pas question qu'un remplaçant pour un député, un suppléant validé député, puisse revenir pour remplacer un autre député suppléant, un autre député validé, un autre suppléant validé déjà député. Vraiment, ça n'aura pas de sens en droit. Premier suppléant de l'honorable Limbalimba Kabanga Lisa. Honorable Président, l'honorable Lisa qui est aujourd'hui ministre provincial était avec nous ici. Il a été première suppléante validé député, aujourd'hui Premier ministre. Je tiens à signaler que M. Gilbert, Aimé Gilbert, est connu jusqu'aujourd'hui au niveau de la CENI en tant que deuxième suppléant. La ministre Lisa, qui était première suppléante, si elle revenait, soit là où elle est partie, quand ça ne tient pas, et qu'elle retourne à l'Assemblée, comme nous venons de le suivre maintenant avec l'honorable Régine Kimouza, qu'adviendrait-il, honorable président? Que la commission nous précise, parce que l'article 90 de notre règlement, le législateur est resté muet. C'est une première depuis que nous sommes là dans cette législature. Qu'un suppléant accède à la fonction dans une fonction à l'exécutif, au cas où là ça ne marche plus et qu'il revienne. Qu'adviendra-t-il? Je voudrais avoir des éclaircissements auprès de la commission, honorable président. L'honorable Léon Limbalimba est député national. Il est député national, pas député provincial. Parce que c'est Moutandis. Le titulaire, l'honorable Léon Limbalimba, il a laissé son siège à l'honorable Lisa. Je dis, lorsque on est élu avec deux suppléants, si le premier suppléant est promu ou nommé quelque part, c'est le deuxième suppléant qui remplace. Je voudrais qu'on aborde cette question sans passion. Dans cette salle, il y a au moins 17 collègues, ça fera à ce jour 21 députés qui sont là par voie de suppléance. Donc, ce que nous allons décider aujourd'hui, c'est ce qui pourra être éventuellement appliqué à tout le monde. Je voulais que nous puissions y aller sans passion. La loi le dit. Ce n'est pas notre règlement intérieur. Même à l'Assemblée nationale, ça se passe ainsi. Si vous déposez des questions, vous allez voir. Si le titulaire est parti, on dit il a choisi, on donne 8 jours. Il choisit de rester à l'Assemblée nationale. Mais il est élu en tant que député provincial.
il ne perd pas son mandat. Il est parti. L'honorable Elisa, aujourd'hui nous parlons de l'honorable Elisa, est remplacée en tant que suppléante. Elle n'est pas remplacée en tant que titulaire de ce mandat-là. Quand elle part, elle perd le mandat d'office. La personne qui va les remplacer reste comme lui était. Ma mission TV, le miroir du monde. Je sais que vous avez travaillé dans des conditions très difficiles, mais
C'est cela aussi le patriotisme. Nous prenons l'engagement solennel de corriger. Le président de la PSG, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je fais des primaires. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez vu que j'ai beaucoup hésité avant de présenter le président. Alors je crois qu'il y a des présences dans certaines absences. Mais je voulais quand même savoir, bon, si ça ne m'intéresse pas la première année, mais à la fin, je voudrais savoir pourquoi ces changements de décor. Merci beaucoup, honorable. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 80 alinéa 2 de notre règlement intérieur qui stipule, en cas d'absence ou d'empêchement du président d'une commission ou d'une sous-commission, il est remplacé par les rapporteurs. La commission politique et administrative et juridique s'est réunie ce lundi le 11 octobre 2021 au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la direction de son rapporteur honorable Roméo Ndissi, pour la vérification et la validation des pouvoirs des suppléants. Pour ce faire, votre commission a reçu les dossiers des quatre suppléants ci-après. Il s'agit de M. Barreté Mukobo Alain, premier suppléant de l'honorable Pedenda Makengo Willy, promu commissaire général en charge des ressources hydrauliques. M. Idi Rachidi Aimé Gilbert, premier suppléant de l'honorable Nembalemba Kabamba Liza, promu ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention. M. Ipanga Kalaou Fils, premier suppléant de l'honorable Koufi Mouziloumou Damien, promu commissaire général en charge de la fonction publique provinciale, emploi et prévoyance sociale. Monsieur Kalefoua Koudivila Mouta Jackson, premier suppléant de l'honorable Issa Oumouteba Philippe, promu directeur général de la publicité extérieure de Kinshasa. Après examen, votre commission a jugé recevable les quatre dossiers traités et demande à l'audite ensemble d'adopter son rapport pour combler le vide créé par la nomination de nos collègues précités. Sans plus tarder, je passe la parole à l'honorable rapporteur AI pour procéder à la lecture du rapport de la commission politique et administrative et juridique. Merci, Président. Oui, honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. La Commission politique administrative et juridique a procédé ce lundi 11 octobre 2021 à la vérification des dossiers et validation de des suppléants des honorables députés qui ont honorable, été... Honorable Dieu, pourquoi tu es toujours fâché? Il faut suivre la règle. Je suis calme, non, je suis en train de lire. Bon. Je le suis ici. Hein. Ça va. Merci. Je recommence. La commission politique, administrative et juridique a procédé ce lundi 11 octobre 2021 à la vérification des dossiers et validation de pouvoir des suppléants des honorables députés qui ont été nommés aux fonctions incompatibles avec le mandat de député provincial. Conformément aux prescrits de l'article 107 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il s'agit de M. Koulefoua Koudivila Mouta Janson, premier suppléant de l'honorable Issa Mouteba Philippe, promu directeur général de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa. M. Idi Rachid Aimé Gilbert, premier suppléant de l'honorable Nembalé Bakaba Elisabeth, promu ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Monsieur Ipanga Kalaou Fils,
premier suppliant de l'honorable Koufi Mouzilou Boudamien, promis commissaire général en charge de la fonction publique provinciale, emploi et prévoyance sociale. Monsieur Barré Temoukobou-Alain, premier suppliant de l'honorable Pédéda Willy, promis commissaire général en charge des ressources hydrauliques. Deux, de la participation. Ont participé aux travaux de votre commission les membres dont les noms suivent. 1. Honorable Moudi Simo Roméo, président ad intérim. Honorable Issobe Lusumuchi, rapporteur ad intérim. Honorable Moua Bingali Mastif, membre. Honorable Tchibalabala Mukunaï Francis, membre. Honorable Moulumba Pomolo Apomolo Gérard, membre. Votre commission a bénéficié de l'assistance des experts de l'administration dans le nom suivant. 1. M. Matou Kalfos, coordonnateur du bureau d'études. 2. M. Benga Mabokuna, donc chef de section. 3. M. Badia Pangato Richard, chef de bureau de commission. 4. M. Massemboa Ibotolo Dadi, chargé d'études. 5. M. Botololo Gazito Bogaz, chargé d'études. 6. Madame Pungu Mbebe Tabika, chargée d'études. De la 3. De la méthodologie de travail. Pour bien réaliser sa mission, votre commission a utilisé la méthode consistant à la vérification minutieuse de chacune des pièces versées dans le dossier des premiers suppliants, appelés à remplacer les honorables députés se trouvant actuellement dans les cas d'incompatibilité sous-syndiqués. Pourtant prévu auparavant. 4. De la documentation. Au cours de sa séance de travail, votre commission s'est servie des documents ci-dessous. 1. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 011-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution. 2. La loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 011-003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15-001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17-013 du 24 décembre 2016. 3. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 4. Les dossiers des premiers suppliants des honorables députés Issam Mouteba Philippe, Nebale Bakabaka Lisa, Koufi Mouzilou Daniel, Beneda Makengo Willy. 5. Le déroulement du travail. Les travaux de votre commission se sont déroulés au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au local du bureau d'études, ce lundi 11 octobre 2021, sous la direction de l'honorable Simo Roméo, président ad intérim de la commission politique, administrative et juridique. Votre commission a vérifié les pièces versées dans le dossier des suppliants. 1. M. Poulefoy Oudivi Lamouta Janson. Premier suppliant de l'honorable Issam Mouteba Philippe, né à Panzi le 17 novembre 1963, résident sur l'avenue Ngangu, numéro 5, au quartier Kipé, dans la commune de Ngaliema, ville de Kinshasa. Fils de M. Poulefoy Ndoundou Martin et de Mme Mbao Kouba Binelli, de nationalité congolaise. Il est licencié en lettres de l'Institut pédagogique national en cycle IPN. Il a une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine de l'enseignement, notamment préfet des études à l'Institut Batena de 2013 à ce jour. 2. M. Idi Rachid Emejibert, premier suppliant de l'honorable Nebalemba Lisa, né à Bukavu le 12 février 1981, résident à la 4e rue du quartier Cité Verte dans la commune de Sélémba. Mes honorables députés et chers collègues, après l'exposé très potable de l'économie générale, suivi de la lecture intégrale du rapport, je déclare ouvert le débat général. Je
des collègues désirés d'intervenir peuvent se manifester. Candidat qui est avec nous dans la salle, monsieur Adi Rachidi Aimé Joubert. Il dit, premier suppléant de l'honorable Nembalemba Kabanga Lisa. Honorable président, l'honorable Lisa qui est aujourd'hui ministre provincial était avec nous ici. Il a été première suppléante, validée députée, aujourd'hui premier ministre. Je tiens à signaler que M. Gilbert, Aimé Gilbert, est connu jusqu'à aujourd'hui au niveau de la CENI en tant que deuxième suppléant. L'article 90 de notre règlement dit que lorsqu'un député promu laisse son mandat pendu, donc il peut le récupérer. Et le premier suppléant qui vient remplacer, il est là temporairement. Que la commission nous dise, honorable président, la ministre Lisa, qui était première suppléante, si elle revenait, soit là où elle est partie, quand ça ne tient pas, et qu'elle retourne à l'Assemblée, comme nous venons de le suivre maintenant avec l'honorable Régine Kimouza, qu'adviendrait-il, honorable président? Que la commission précise, parce que l'article 90 de notre règlement, le législateur est resté muet. C'est une première depuis que nous sommes là dans cette législature. Qu'un suppléant accède à la fonction, dans une fonction à l'exécutif, au cas où là ça ne marche plus et qu'il revienne, qu'adviendra-t-il? Je voudrais avoir des éclaircissements auprès de la commission, honorable président. J'ai dit. S'il y a d'autres intervenants qui peuvent se manifester. Collègue, vous avez la parole. Oui, honorable président, c'est une opération de forme en fait. Je voudrais un peu qu'on lève l'équivoque, parce que ça revient souvent. Lorsqu'un député est appelé à d'autres fonctions au niveau de l'exécutif, est-ce qu'il est nommé ou il est promu? Quand on va à l'exécutif, est-ce que c'est une promotion ou c'est une nomination? C'est une nomination. Parce qu'ici, à chaque fois, on entend promis, promis, promis. Alors je voudrais que la commission puisse corriger. Merci, merci. Je ne pouvais pas intervenir parce que je suis le président de la commission PNJ. Je n'étais pas présent, les amis ont travaillé, on ne pouvait pas bloquer la commission de pouvoir travailler. Mais sinon, il y a une petite erreur que nous devons corriger parce que ça va nous rattraper un jour. On venait de poser la question notre collègue venait de poser la question. Nous ne voulons pas que cette petite erreur-là puisse nous suivre prochainement. Honorable Nebalé Makabama, Lisa n'avait pas de suppléant. Le suppléant qui sera validé aujourd'hui, c'est le deuxième suppléant de l'honorable Nembalemba, le père. C'est cette position-là qui est suppléante. Léon. Ok, merci. Il s'agit bien du deuxième suppléant de l'honorable Nembalemba Néon et non pas le premier suppléant de l'honorable Nembalemba Kabanga, Elisabeth, merci. Oui, collègue, je voulais, j'ai encore besoin de ton expertise. Alors, je sais que pour des raisons que moi et toi nous connaissons,
vous n'avez pas pris part à ces travaux, mais un avis personnel, qu'est-ce qui peut arriver si par exemple, on ne souhaite pas, si par exemple, la collègue qui est maintenant dans l'exécutif provincial manifestait un jour l'intérêt de rentrer ici à l'Assemblée. Vous avez un avis par rapport à cela? Oui, j'ai un avis, honorable président. Je sais que le député a été élu avec ses deux suppléants. Quand il est nommé, l'honorable Léon avait choisi de travailler comme député national parce qu'il était élu député national et provincial. Nous devrions valider son premier suppléant qui était honorable Lisa. Et aujourd'hui, honorable Lisa est nommée. Elle aussi était suppléante comme celui que nous allons valider aujourd'hui. Alors, comme on valide un suppléant aujourd'hui, c'est-à-dire il prend la place de son don, il occupe le mandat de son titulaire. Celui qui est parti est parti. Merci. Non, je connais. Je dis que celui qui est validé aujourd'hui est suppléant comme celui qui la remplace. Tous deux, ils ont occupé le mandat de l'honorable Léon Limbalimba. Alors, on n'est pas question qu'un remplaçant pour un député, un suppléant validé député, puisse revenir pour remplacer un autre député suppléant, un autre député validé, un autre suppléant de validé déjà député. Vraiment, ça n'aura pas de sens en droit. Mais sinon, nous sommes tous deux députés. Nous avons remplacé notre titulaire qui est parti. Si toi suppléante et suppléante est parti, c'est la deuxième suppléante qui doit jouer le rôle jusqu'à la fin du mandat. Et je vous remercie. Voilà. Donc, non, c'est juste un avis que je voulais avoir. Mais nous allons laisser la latitude à la commission de se prononcer. Moi, j'ai aimé cet avis parce qu'il vient d'un citoyen. Donc, le jour où on va lui accorder cette exégèse, lui appliquer cette exégèse, qu'il ne puisse pas nous en vouloir. Parce que je sais que dans cette salle, les droits varient selon les intérêts. Un collègue, mon ami, des Aboutis, je voulais bien regarder mon collègue dans les yeux. Il est sorti. Il est où? Non, 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 pas à côté de l'honneur, patience. Pardon. C'est elle qui fait la fierté de l'Assemblée. Merci, collègue. Donc, en fait, moi, j'ai posé une question comme tout autre député. Je laisse le soin à la commission de se prononcer quant à ce. Ok, merci. Mais c'est moi, je voulais que vous reteniez cela. Que vous aussi, vous êtes suppléant. Les jours où on va vous accorder, vous appliquer la même interprétation, il ne faudra pas les mieux s'y. Y a-t-il encore d'autres interventions, chers collègues? Y a-t-il encore d'autres interventions? Après avoir écouté des collègues députés qui ont passé ici dans cette tribune, honorable président, pour le cas de M. Idi, la loi est niée. Parce que si nous lisons l'article 90 de notre règlement intérieur, si l'honorable Elisa aujourd'hui trouve que non, elle va rentrer, c'est le plein droit. Par l'ordre, oui. Parce que l'honorable Léon Limbalimba est député national. Il est député national, pas député provincial. Parce que c'est Moutandis. Le titulaire, l'honorable Léon Limbalimba, il a laissé son siège à l'honorable Lisa. Je dis, lorsque on est élu avec deux suppliants, si le premier suppliant promis ou nommé quelque part, c'est le deuxième suppléant qui remplace. C'est normal.
Alors, s'il vous plaît, collègue. Je donne la parole au rapporteur pour me compléter. S'il vous plaît, collègue. S'il vous plaît, collègue. Je voudrais, s'il vous plaît, collègue. Je voudrais qu'on aborde cette question sans passion. Dans cette salle, il y a au moins 17 collègues et ça fera à ce jour 21 députés qui sont là par voie de suppléance. Donc, ce que nous allons décider aujourd'hui, c'est ce qui pourra être éventuellement appliqué à tout le monde. Je voulais que nous puissions y aller sans passion. S'il y a des collègues qui estiment avoir un argumentaire charpenté, je ne veux pas clore le débat tout de suite. Après ces interventions, s'il y a des compléments d'informations, ils seront toujours les bienvenus. Mais je voudrais que nous puissions le faire sans passion. Je connais bien comment ça se passe dans cette hémicycle. Les droits qui sont interprétés seront les intérêts immédiats. Et les jours quand on va appliquer les mêmes droits contre ceux qui l'avaient proposé, ils vont crier au scandale. Donc je vous donne le temps de mûrir nos réflexions. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on aura 21 députés par suppléance. Donc la décision que nous allons prendre aujourd'hui pourra rattraper les uns et les autres. Je préfère vraiment que chacun dise sa dialectique. Merci, honorable président, pour la parole. Là, je voudrais. Bon, malheureusement, il devait être à la commission pour qu'on puisse en discuter parce que je ne veux pas échanger des paroles ici à la tribune avec mon président de la commission. Parce que je voulais apporter une précision. L'honorable Léon Devalema avait renoncé à son siège de député provincial de Kinshasa. Automatiquement, ça revenait à madame. Donc, à l'honorable Isa Demalema, qui était premier suppléant, de manière tacite, le deuxième suppléant devient le premier suppléant de l'honorable Isa Demalema. Parce que l'honorable Léon n'a pas été nommé ou promis, mais il a renoncé de plein gré de son mandat de député provincial. Donc, c'est le même cas que. Ce n'est pas le même cas que nous avons de nos collègues qu'on va valider du pouvoir, qui ont remplacé les ministres nommés et promis. Moi, je pense que si un jour l'honorable Lisa n'occupe plus ses fonctions de député et de ministre provincial, elle peut revenir parce que, honorable président, sur ce, notre règlement intérieur, elle est muette. Nous avons discuté de cela au niveau de notre. Lorsqu'on traitait des dossiers, parce que certains de nos collègues nous disaient que si l'on pouvait vous saisir le bureau et que le bureau puisse peut-être saisir la Cour constitutionnelle qui a donné son avis favorable à notre règlement intérieur pour qu'il puisse interpréter ou nous donner, nous éclairer quant à ce. Merci, honorable président. Honorable Régine vient dessiner son retour. Donc je veux vraiment que ça soit sans passion. Il ne faut jamais jeter de la salive en l'air. Elle finira un jour par vous retomber sur le visage. Honorable président, membre du bureau, merci pour la parole. Quand on traite des dossiers comme ça, c'est les droits qui parlent. Ce ne sont pas nos sentiments. Nous devons être corrects et réalistes. La loi le dit. Ce n'est pas notre règlement intérieur. Même à l'Assemblée nationale, ça se passe ainsi. Si vous déposez des questions, vous allez voir. Si le titulaire est parti, on dit il a choisi, on donne 8 jours. Il choisit de rester à l'Assemblée nationale, mais il est élu en tant que député provincial. Il ne perd pas son mandat. Il est parti. L'honorable Elisa, aujourd'hui nous parlons de l'honorable Elisa, est remplacée en tant que suppléante. Elle n'est pas remplacée en tant que titulaire de ce mandat-là. Quand elle part, elle perd le mandat d'office.
La personne qui va les remplacer reste comme lui était. Ça, c'est la loi. Et ça se passe comme ça. Il n'y a pas de sentiment ici. On ne dit pas comme j'ai entendu parler de président pour dire que non, demain, la loi nous rattrape tous. Ça ne choisit personne. Je crois que j'ai été et je vous remercie. S'il vous plaît, collègue, j'ai besoin d'un éclairage. Collègue Régine, vous évoquez une loi. Je voulais en connaître les dispositifs. Il s'agit de quelle loi et quel est l'article? Moi, mon problème, c'est de prendre des décisions qui sont justes. Vous avez évoqué une loi qui dit que dès qu'elle part, elle perd d'office son mandat. Est-ce qu'on peut... Oui, vous pouvez je vais encore crier, on peut se choisir la question. Nous avons tout ça, le temps de continuer les débats. Ce n'est pas pour aujourd'hui que nous allons clore ce dossier. Aujourd'hui, on va valider le mandat des autres. Mais pour les sujets, on peut continuer ça après et lire les documents. Je crois que je vais vous amener la loi et on va débattre ça ici. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas rester stagné sur ce dossier-là. Aujourd'hui, c'est la validation des mandats des autres. Ce n'est pas pour l'honorable Lisa que nous débattons aujourd'hui. Non. Ce n'est pas d'ailleurs une préoccupation aujourd'hui. On va continuer à débattre sur ça après. Laissons-nous le temps. On va chercher les documents et la loi. On va pour la. Merci. Merci. Merci, honorable président. Distinguement du débat, chers collègues, à moins que mes lunettes ne fassent défaut, que je vieillisse pour ne pas lire, nous avons le quatrième point à l'ordre du jour, la validation du Cinq. Pardon? Cinq points à l'ordre du jour. Oui, non, mais le quatrième point. Ah, le quatrième point. Très bien, validation du pouvoir. Honorable président, le temps est tellement précieux pour vous et pour nous-mêmes. Nous pensons qu'il fallait simplement valider le mandat. Le reste serait renvoyé à une date ultérieure. Pour aujourd'hui, honorable président, s'il vous plaît, validons les pouvoirs. Merci. Merci. Merci, cher collègue. Malheureusement qu'aujourd'hui, ce n'est pas le président qui décide. Donc moi, je vais retourner définitivement la parole au président de la commission et puis on passe à... Je suis ravi avec l'honorable Paul-Thibault Mbodi. Je crois qu'on va appliquer article 9 de notre règlement à l'inéa 2. Pour le citer, soit bien moi. Validation du pouvoir des députés professionnels. À l'inéa 2. Vous pouvez lire l'article, je ne sais pas. Article 9. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'Assemblée provinciale. Il comprend l'ensemble des députés de profession qui composent l'Assemblée provinciale. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notamment adopter l'ordre du jour, valider le pouvoir des députés de profession. Merci beaucoup, chers collègues. Je viens de suivre le président de la commission réagir. Honorables députés, chers collègues, après la réponse du président de la commission, je déclare clos les débats généraux. J'ai noté. Tout le monde a demandé que cette question soit approfondie. Avant de passer au vote, je voudrais que chacun de nous pose ses questions et les cadres seront définis par la suite. S'il faudra saisir la professionnelle, nous allons le faire. Est-ce que Léon Mbalemba papa peut encore devenir le futur provincial? Non. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai dit. Ça va vous aider pour la suite. Mais maintenant, comme le débat est clos, nous allons adopter les rapports. Mais je pense quand même qu'on va voir comment la Cour constitutionnelle va nous guider pour la suite. Et je veux solliciter de votre part
un amendement de notre règlement intérieur, parce que j'ai voulu cette question, si elle n'est pas gérée avec doigté, ça va nous amener beaucoup de problèmes politiques. À ce jour, ça fera 21 députés par suppléance. Donc, je vous va approfondir ça, notamment avec la Cour constitutionnelle. Aussi, je pose la question de savoir si nous pouvons adopter les rapports sous examen. Qui sont pour? On aura que s'appliquer la maman. Ah! La validation des premiers suppléants, oui. De Valère Balissa. Voilà. Oui, on va. Oui. Ça, j'ai l'envie. C'est noté, la commission l'a noté. Donc il faut vraiment traiter ça avec beaucoup d'intelligence. Qui sont contre? Qui s'abstient? Les rapports de la commission politique, administrative et juridique sur la vérification des dossiers des quatre suppléants est adopté. Honorables députés et chers collègues, il ressort du rapport que nous venons d'adopter que les dossiers des suppléants ci-dessous sont jugés recevables pour la validation de leur pouvoir. Il s'agit de M. Barete Mukobo Alain, premier suppléant de l'honorable Pélé Damakimbo Willy. 2. M. Idi Rachid et M. Gilbert, deuxième suppléant de l'honorable Léon Emalemba. Là, j'ai souffert que je corrige directement. Ce n'est pas ce que vous avez sous vos yeux, donc je préfère être cohérent avec la décision de la plénière. 3. M. Ipanga Kalaofis, premier suppléant de l'honorable Koufi Mouzilongou Damien. 4. M. Koulefia Koulivila Mouta Tchasson, premier suppléant de l'honorable Issangou Mouteba Philippe. En voie de conséquence, je le déclare député provincial de Kinshasa. Aux intéressés de se présenter par devant vous sous vos acclamations. Valida qui 4 députés provinciaux na niveau ya ville province à Kinshasa parce que ba titulaire na bango bazala qui nommé na ba exécutif provincial à ville à Kinshasa. C'est pourquoi pour combler ba vide wana
y a une biso commission PAJ to valida qui 4 suppléants wana. Maintenant ils sont plus des suppléants, ils sont des députés provinciaux à la ville province de Kinshasa. Pour adopter calendrier il y a session il y a septembre 2021 to valider pour pouvoir il y a ba ndeko na biso o ba tetela na bango ba kaina ba fonction sous na gouvernement provincial pe to silisina rapport où il y a gestion, il y a bureau, il y a assemblée provinciale, il y a ville à Kinshasa. Et ça qui échange, il y a makasi entre bureau, naba député, na plénière, il y a l'élu. Ma mission TV, le miroir du monde.